Je m'appelle Philippe Carcenti. J'ai 45 ans et je suis actuellement maire adjoint de la ville de Neuilly-sur-Seine. En juin prochain, les Français qui résident hors de France auront la possibilité d'élire leur propre député à l'Assemblée nationale. C'est une chance qui s'offre à vous de faire entendre votre voix au Parlement français afin que vos droits et vos intérêts soient défendus avec force et que vos préoccupations soient réellement prises en compte. En juin prochain, vous Français qui résidez en Israël, en Italie, en Grèce, en Turquie, à Chypre et à Malte, devrez élire votre député à l'Assemblée nationale française. Je suis un homme indépendant, de centre droit et libre. Libre de défendre vos intérêts pour votre bien-être et celui de la France. Je n'ai qu'un seul parti, c'est le vôtre. Un homme politique, c'est avant tout quelqu'un qui vous écoute afin de comprendre vos problèmes pour vous aider à les résoudre. C'est aussi une personnalité qui a ses valeurs et ses convictions. Si vous le décidez, je serai ce député qui pourra agir comme un trait d'union pour aider à la coopération économique et culturelle entre les pays où vous résidez ainsi qu'avec la France. La lecture de mes thèmes de campagne sur mon site carcenti2012.com vous permettra d'anticiper sur les choix politiques que j'effectuerai dans votre intérêt en fonction des différentes situations qui se présenteront à moi quand je serai votre député. Ce député aura aussi le privilège d'être l'élu d'une circonscription qui regroupe les quatre grandes villes berceaux de notre civilisation. Jérusalem, Athènes, Rome et Constantinople. C'est une chance et c'est surtout une responsabilité importante au moment où nos valeurs et nos modes de vie sont remis en question. Votre sécurité physique et économique, ainsi que vos droits liés à la vie quotidienne, notamment pour ce qui concerne vos retraites, l'éducation, les prestations sociales et la fiscalité, ont besoin d'un député qui saura vous défendre avec force et persévérance pour vous représenter à l'Assemblée nationale. Dans ce monde en perpétuelle évolution, où les réalités et les acquis d'aujourd'hui ne semblent pouvoir être garantis, si vous le voulez, je serai ce député qui saura s'adapter et répondre à vos attentes. Je vous souhaite à toutes et à tous, ainsi qu'à vos familles, une excellente année 2012 et j'espère avoir l'occasion de vous rencontrer lors de mes prochains séjours près de chez vous.